bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. On est lundi, le 9 octobre, je pense. C'est le lundi là, jour férié. Et je viens tout juste d'arriver du chalet, fait que je suis en train de faire ma pochette de produits tranquillement avec les enfants. Ça fait pas très longtemps qu'on est arrivé. Honnêtement, aujourd'hui, je me sens vraiment comme une journée, comme un dimanche. Donc, j'ai sorti ma bougie Dimanche parfait de Truex & Co. pour pouvoir l'allumer. Je me sens vraiment comme cocooning. Il arrive 2 heures. Les enfants ont dormi en descendant en auto, fait qu'ils feront pas leur sieste après-midi. Donc, c'est pour ça que là, je suis en train de faire mes choses. Après ça, je vais leur donner un bon bain chaud. Moi, j'ai vraiment hâte de me laver parce que mes cheveux sont vraiment affreux. On s'entend que dans le bois, je regarde pas vraiment ça. Sinon, c'est ça, je suis solo. Donc, j'avais envie de partir un petit vlog, bien tranquille. Ce soir, au menu, ça va être pizza sur pain pita, que j'aimerais faire avec Léo. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de partir un petit vlog, là, dans le fond, de vous apporter avec moi dans ma petite soirée lundi férié, comme slash dimanche pour moi. Dans la préparation des choses de la semaine, là, j'ai déjà tout lavé. Les surfaces dans la cuisine, parce qu'avec les chats, souvent quand on part plus que 2-3 jours, ben, ça se ramasse pas mal de poils. Sinon, j'ai parti aussi la balayeuse, les litières sont nettoyées, puis là, c'est ça, je venais d'aller allumer ma bougie, puis là, je vais partir un bain pour les enfants, je vais les laver. Il est un petit peu plus tard, j'ai été capable de me trouver un trou pour me laver. Ça fait tellement du bien parce que je pensais pas me rendre à 8h à soir avec comment je me sentais, vraiment pas bien. J'ai fait ma vaisselle, puis là, je me suis dit que pendant que les enfants étaient calmes, je voulais vous montrer ma commande que j'ai reçue la semaine passée de H&M. Je l'ai montré sur Instagram, là, fait que je voulais quand même vous le montrer ici pour ceux qui n'ont pas vu passer les stories ou qui me suivent tout simplement pas. Dans le fond, c'est des trucs un peu plus pour Abby parce que je me suis rendu compte qu'elle a grandi trop vite. Puis il y a des choses que je pensais que ça allait lui faire, que ça lui refera pas tout l'hiver. Donc je vais retourner la caméra et je vous montre ça. Tout d'abord, j'ai trouvé cette magnifique robe-là avec comme un mini tutu à manches longues de petite citrouille dans le 1 an et demi, 2 ans. Je me suis dit que cette année, comme costume, je pense que ça va être ça que je vais opter pour elle parce que j'avais pas envie d'aller dans ce qui est compliqué. Donc, comme je disais, j'ai été interrompue. J'ai acheté des paquets de cache-couche là parce que j'aimerais vraiment ça mettre ça avec des pantalons pour habiller dans la simplicité. Fait que j'ai été dans un petit kit de 5 cache-couches manches courtes dans ces teints-là. Il me semble que j'avais acheté le même à Léo, puis j'avais vraiment aimé, là. Puis je trouve qu'ils sont faits vraiment longs et grands. Fait que vraiment contente de ça. Puis j'en ai profité parce qu'il y avait comme 20% de rabais, là, pour les membres. Sinon, j'ai aussi été dans un paquet de cache-couches manches longues dans les teints de blanc, un petit lilas, un bourgogne comme ça, un petit rose, ainsi qu'un beige. Fait que vraiment contente. J'ai également pris là, des petits pantoufles comme ça, là, juste pour dire qu'elle a de quoi dans les pieds là, quand que, on sort à l'extérieur, parce que présentement les pantoufles qu'elle a sont vraiment trop petits. J'y ai pris un autre paquet de petits collants. L'année passée, je les avais pris là puis je les ai vraiment aimés évolutifs. Ainsi qu'un paquet là, de petites mitaines magiques là, parce que ben, dans le fond, les deux ensemble, ça fait que quand ils sont mouillés, ils en veulent d'autres. Fait que j'ai pas le choix d'en avoir de plus. J'ai également acheté ce bac-là chez H&M Home. Je voulais de quoi de simple qui allait fitter dans la maison, mais qui allait pouvoir aussi ramasser comme tous les toutous des enfants, qui allait rentrer dans un coin. Parce que j'ai refait notre salon pour l'hiver, parce que dans le fond, on inverse les places pendant l'hiver. J'ai fait un gros ménage de jouets. Il y a du stock qu'il faut que j'aille porter, puis il y a du stock que je veux garder pour aller porter dans le temps des fêtes avec Léo là, pour les enfants. Fait que c'est ça, mais j'ai vraiment hâte qu'on fasse plus de ménage dans les jouets parce qu'on en a vraiment beaucoup. Et également, finalement, la semaine passée dans mon dernier vlog, j'avais dit que je filais comme pas trop puis tout, puis je savais pas si c'était comme mon corps qui faisait que l'adrénaline descendait, qui faisait aussi peut-être que j'avais un rhume. Je pense que finalement ça a été un mix des deux parce que j'ai vraiment pas filé du restant de la semaine. Jeudi soir, j'ai fait la température. Abby également a fait de la température. Là, ça filait vraiment pas. Puis vendredi matin, dans le fond, j'ai regardé là. Vendredi matin, non, jeudi matin.
Oui, mercredi soir, j'ai fait la température. Jeudi matin, je regarde dans ma gorge et j'avais énormément les amygdales enflées avec des taches blanches. Donc, je savais que je faisais sûrement une amygdalite ou toutes les hits qui existent. Fait que je me suis pris un rendez-vous pour aller voir et effectivement, c'était ça. Fait que, est-ce que c'est parce que finalement, j'étais super stressée, le stress qui tombe, j'ai été plus à risque de pogner un virus, sûrement. Abby a fait 2 jours de fièvre, mais ça s'est pas reproduit. Fait que j'avais vraiment peur d'avoir comme donné ça. Mais c'est ça, fait que c'est ça, puis là les antibiotiques que je prends me font vraiment sentir pas bien. Moi j'ai une allergie à la pénicilline, fait que je peux pas prendre n'importe quoi. Fait que là ils m'ont comme donné quelque chose qui est comme pas un médicament qu'ils donnent habituellement, souvent. Mais en janvier dernier j'avais fait aussi une pharyngite je pense. Puis ils m'avaient prescrit celui-là parce que les autres antibiotiques étaient pas assez forts. Fait qu'ils m'ont comme represcrit celui-là. Mais ils me donnent tellement mal à l'estomac. Tous les effets secondaires là, genre que tu veux pas avoir, genre diarrhée, nausée. J'ai juste pas les vomissements, mais j'ai mal dans l'estomac, j'ai de la misère à digérer. Fait que c'est vraiment difficile, je trouve, comme vivre avec cet antibiotique-là. Toute la journée, j'ai tout le temps l'impression que je vais vomir, fait que je mange pas tant. Fait que tu sais, ça a comme été plutôt une fin de semaine plate un peu, parce que c'est ça, je filais tout le temps so-so après ça. C'est ça, c'est pas facile non plus avec les enfants. Ben, tu sais, c'est normal. En même temps, Léo, c'est une personnalité. Mais c'est ça, il vient vraiment me chercher sur ma patience, sur mes limites aussi. Il teste beaucoup. Mais c'est ça, fait que ça a pas été tant un week-end que j'avais pensé à être reposant parce que c'était un long week-end. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais revenir plutôt du chalet pour pouvoir reprendre comme la routine que je fais d'habitude avec Francis à deux, là, toute seule pour préparer la semaine. Fait que tantôt, comme j'ai dit, j'ai donné le bain des enfants. J'ai sorti leur linge pour demain. Leur lit est déjà prêt. J'ai déjà du lavage de partie. C'est sûr qu'il va me rester du lavage à plier, mais ça, cette semaine, je vais pouvoir le faire. Là, il est 3h45. Fait que je vais pouvoir commencer à penser à préparer le souper avec Léo. Mon seul plan cette semaine que je rêve de faire depuis longtemps, que je rêve cette semaine-là tout seul, c'est... tu veux venir? C'est de pouvoir écouter une émission sur mon divan lorsqu'ils seront couchés. Puis mon but, c'est d'écouter Gilmore Girls parce que j'ai envie de quoi de... Tu sais, léger, mais qui est quand même réconfortant. En ce moment, j'ai l'impression que ma tête et mon cœur sont pris partout. Fait que j'ai envie d'écouter de quoi super simple qui va me faire du bien. Parce que, tu sais, quand que les enfants sont couchés souvent, ben je vlog pas non plus. Puis genre, j'essaie de prendre du temps avec Francis vu que c'est le seul moment qu'on a souvent. Mais là, vu que je suis seule, ben ça va être des moments seuls, que ça fait longtemps. Je m'ennuie d'être seule avec moi-même, pour être honnête. Je m'ennuie d'avoir du temps avec moi tout seul. Parce que c'est ça, c'est pas évident non plus là, de tout jongler avec tous nos rôles qu'on a et le temps qu'on a. Fait que ça va me faire du bien cette semaine-là, effectivement. Je suis bien heureuse. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Là, je vais préparer le souper. Comme j'ai dit, on mange la pizza. J'aimerais ça filmer là, de l'affaire avec Léo. Puis, je vais peut-être vous filmer des petits bouts de la soirée. Là, faut que je reprenne occupation double. Puis... vu qu'on est lundi, habituellement lundi soir, il y a une émission que j'écoute tout le temps. Préparer mes choses aussi pour le travail demain. Vu que là, ben c'est ça, faut que je fasse la routine toute demain matin tout seul. Ça, c'est tout le temps la première nuit qui m'angoisse parce que j'ai tout le temps peur de pas entendre mon cadran, tu sais, de passer en retard. Fait qu'on va tout préparer ça. Je sais pas si je vais vlogger ce soir ou si ça va être un vlog de semaine ou juste d'une journée, mais c'est sûr, je vais vlogger cette semaine. Fait que j'aimerais ça être capable d'en faire un peu plusieurs pour être plus active, mais c'est ça. Fait que on s'en parlera tantôt. Tantôt!
c'est pour pas que tu glisses. Hein? C'est des antidérapants. C'est pour pas que... On est le lendemain matin, finalement hier je vous ai pas reparlé parce que j'ai vraiment pris ça tranquille sur mon divan. J'ai écouté mes petites émissions. Ce matin c'est quand même frais là, je me suis mis ma grosse laine avec des leggings, bien heureuse de ça. Donc là-dessus je pense que je vais conclure le vlog puis je vais juste en partir un autre. Un gros merci d'avoir écouté et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!